Et salut salut, donc me voici pour une vidéo sur Starbound en solo. Je suis tout seul aujourd'hui. Alors je vais d'abord baisser un peu la musique, elle m'a l'air un peu fort. C'est bizarre. Hop là. Bon, je ne sais pas, je verrai. La musique m'a l'air un peu forte, mais bon, j'espère que ça sera pas trop fort. Alors, je reviens sur Starbound. Je vais vérifier un peu tout ce que j'ai. Hop là. J'ai beaucoup de Iron Bar. Je vais peut-être me faire continuer un peu de m'équiper avant de partir. Alors, je récupère ça, je récupère ça. Je récupère ça. Ça aussi. Et ça, on sait jamais. Allez, ça aussi. Hop là. Alors. Lanterne. Alors. Qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas ce que c'est ce symbole encore. Ça doit être de la température pour avoir moins froid, l'armure. Ok. Putain, il manque une seule barre de copper. Chier. Et copper grave. J'ai assez alors pour faire celle-là. Ah, alors inventaire. Hop là. Voilà. Craft. Alors je vais le craft. Je vais me craft ça, hein, tant pis, et on verra plus tard pour le reste. Ah bah d'ailleurs. Hop là. Deflector masque. Pardon. Hop là. Voilà. C'est très bien en fait. Silver, platinum, golden, copper. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi je peux pas faire silver, pickaxe. Et où la silver? Copper pickaxe. Ah mais il manque, d'accord, il manque deux minerais de silver. Bon bah pour l'instant, ça sera largement suffisant. Là, qu'est-ce que je peux y fabriquer? Snow, infanterie, helmet, help, void, heat, cold. Alors ça me sert à me battre contre la chaleur, ça c'est plutôt bien. Ok. Donc ça c'est si jamais je vais sur un endroit enneigé. Faudra que je me fasse une tenue complète par la suite. Et que je commence que par le snow infantry chest, le torse, ça sera plus intéressant. Alors, mon arme, merde, elle fait 11 de DPS et 8 de dommages par attaque. 8, elle est déjà puissante la mienne en fait. Pax. Ouais. Est-ce qu'elle est chère à faire? Non, elle est pas très chère. Ah, je me tâte de... Ouais, je vais la crafter. Plutôt rapide, mais elle a pas quoi que si, hein. Elle est quand même une bonne distance, hein.
Et l'avantage, c'est que je pourrais. Ouais. Je pourrais me balader avec la lumière. Bon, allez. On dépose tout ça. Trêve de conneries, de bêtises, de. Enfin, bref, vous avez compris. Je mets ça là. Hop là. Hop là. Haha. T'es mouru. Par la morue qui tue. Oui, alors à l'origine, je voulais me balader, donc pour une chose, en fait, cette vidéo, elle devait être là que pour vous expliquer les 2-3 nouveautés qu'il va avoir très prochainement sur Starbound. Et la plus grosse, enfin, le futur, on va dire, de Starbound, et toutes les évolutions que les développeurs souhaitent apporter au jeu. Ils ont beaucoup d'idées. Et ça va être, je pense, extrêmement intéressant s'ils arrivent à faire tout ce qu'ils souhaitent faire. Il y aura des combats spatiaux, normalement. Il y aura des donjons dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra tomber sur des vaisseaux complets. Sur des vaisseaux complets et se balader. Oh merde! Et merde. Qu'est-ce qu'on. On pourra se balader vraiment dans l'espace comme on le souhaite. Alors, je vais. J'ai pas de quoi m'enterrer, c'est super. Hop là. Inventaire. Voilà, je m'enterre ici et on va aller faire un petit tour là. Vous voyez, le Future of Starbound. les personnages non-joueurs, alors a priori, vont spawner tout en calculant l'endroit où ils vont spawner. Donc je m'explique. En gros, si vous avez commencé à faire une grande maison, un peu à la façon de Terraria, il y aura une chance que certains. Personnages non joueurs viennent squatter. Gros, si vous faites une grande maison avec des coffres et tout ça, ben c'est possible que vous voyez un marchand venir squatter et ainsi de suite. Ils vont en fait scanner un petit peu les architectures qu'il y aura de créer en plus sur la planète et donc du coup ils pourront venir peupler les architectures. Donc des maisons qu'on pourrait avoir créées et ainsi de suite. A priori, il y aurait des sortes de. Alors je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par macro terrain change, mais en gros, il y aurait des changements qui pourraient s'effectuer sur les planètes. Alors je sais pas s'ils veulent dire comme du terraforming ou ainsi de suite, mais il y aurait des changements météorologiques. On pourrait avoir. Comment s'appelle un système de scan de planètes aussi qui pourrait être très intéressant qui nous permet de connaître s'il y a des donjons, le type d'occupant de la planète, donc surtout les monstres et ainsi de suite, les personnages en joueur. Il devrait y avoir aussi plus de secrets dans les profondeurs. Donc sous la surface, des combats spatiaux, des donjons de vaisseaux spatiaux, donc sûrement autour des planètes, des vaisseaux qui graviteront, et en fait il faudra dépenser pour aller sur ces vaisseaux, et ainsi de suite.
Il y aura aussi peut-être des biomes plus difficiles, comme des tempêtes de neige, des pluies météores, des planètes complètement toxiques, et ainsi de suite. A priori aussi, ils veulent mettre en place ce qu'on voyait or et difficulté, la difficulté par rapport au. Enfin, mettre des métaux par rapport à la difficulté. Plus la difficulté sera élevée, plus les métaux rares seront disponibles. Des missions aussi, des missions, enfin, des story missions, donc des missions histoire. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, des missions scénarisées. Ils veulent modifier le système de navigation des vaisseaux, plus de difficultés. En gros, les planètes seront. Pour l'instant, ils n'annoncent pas hein, combien il y aura de niveaux de difficulté, mais les planètes auront une difficulté de base, du style 1, 2, 3, 4, 5. Et à cela se rajoute une difficulté supplémentaire. Vous voyez là, un 1, 12 ou 1, 52. Donc la planète 1, 52 sera plus difficile que la 1, 12. Et ainsi de suite. Les générations de monstres seront plus logiques, dira-t-on, et les monstres auront des capacités. Par exemple, une araignée pourra grimper contre les murs, et ainsi de suite. Quelque chose de plus logique et peut-être une araignée, ben ça sera plus fréquent dans les caves et par exemple sur une planète aride par exemple, ben, il y aura peut-être plus de serpents et de scarabées et alors que dans une planète neige il y aura enfin oui ils appellent ça snow et il y aura peut-être plus de bêtes à poil comme des gros singes ou genre de choses. Donc voilà, la génération de monstres sera plus intelligente. Ils comptent mettre aussi une mini-map, mettre des stores de Stargate, donc les portes des étoiles, entre les planètes et éventuellement entre les serveurs aussi. Ils veulent aussi mettre des modifications, alors ils appellent ça dramatique planète modification, donc en gros modification de planète, bon, c'est pas vraiment dramatique mais importante du style, vous faites des tirs orbitaux sur la planète, ça arrache la première couche de la planète, donc du coup vous accédez plus rapidement aux caves, mais du coup vous détruisez aussi la totalité des personnes vivantes sur la planète. Tech priority. Alors a priori, on peut enclencher beaucoup d'améliorations techniques dans le jeu, mais en gros, les améliorations techniques, on pourrait tous les mettre en route, mais que les plus puissantes seraient en principal. Enfin, en gros, vous avez deux techs, une qui vous fait augmenter, enfin qui vous double votre vitesse de déplacement, et l'autre qui vous fait que la multiplier par 1,5. Donc qui la double pas tout à fait, bah, ça sera celle qui double, qui sera prioritaire. Et par contre, elles s'additionneront pas forcément. Mais après, derrière, vous n'aurez pas besoin de vous emmerder à savoir laquelle il faut mettre ou pas. Vous les mettez tous et puis ça se débrouille. Il y aura des commandes de serveurs, les villageois auront une IA, c'est-à-dire que si on commence à fouiller leur coffre ou à les voler, bah, ils auront tendance à nous suivre et après à nous attaquer. World Storage, alors ça c'est plus pour la partie technique, mais en gros, les mondes seront mieux enregistrés dans le fichier du jeu. Spawn point, champ spawn point, individuel planète. Voilà, on pourra changer les points d'apparition individuellement sur les planètes. On pourrait assigner les propres touches qu'on le souhaite, parce que là aujourd'hui c'est pas possible, donc reconfigurer les contrôles. On pourrait augmenter ou diminuer la taille de notre vaisseau. Racial armor, les armures auront une forme par rapport à notre race. Capture pod and mercenary. Donc a priori, on pourrait capturer des vaisseaux, enfin des pods, je sais pas trop ce que ça veut dire pod, et avoir des mercenaires. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire. Reduce working system de patch.
Wipe in the future, ici, Loraker. Wipe. Bon, ça, je sais pas non plus trop ce que ça veut dire par rapport à la mort. Et là, d'autres changements qui arriveront. De toute façon, vraiment, le jeu, il compte vraiment, vraiment, vraiment l'améliorer. Ça va être énormissime. Je pense que clairement, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de super intéressant. Bon, je vais creuser là. J'ai envie. Il y a vraiment. Je crois qu'ils ont vraiment de quoi faire quelque chose d'extraordinaire avec ce jeu. Alors qu'il est vraiment très simpliste en plus. Je crois que même c'est ça qui est bon. C'est de pouvoir faire de quelque chose d'aussi simple. Enfin, avec quelque chose d'aussi basique, quelque chose d'aussi grand et fourni. J'ai en tout cas vraiment hâte personnellement que ce jeu évolue. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait partie des petits jeux. Alors voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir des graphismes exceptionnels, même si je suis un adepte des jolis graphismes. Mais ça peut être joli et simple. C'est ça aussi. Ça aussi, des fois, la difficulté, c'est d'arriver à faire de quelque chose de simple, quelque chose de joli. Et c'est pas forcément, et c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les gens ne savent pas forcément faire ça. Et c'est bien dommage. Ouais, je suis désolé, c'est pas très intéressant, mais j'aurais aimé qu'il y ait le soleil dehors. Je voulais vous montrer un petit peu. Bah, je voulais un peu explorer, hein, profiter pour faire une vidéo un peu plus longue. Je vais pas parler que du jeu, je voulais aussi faire un peu de jeu. Et des monstres un peu par là. Ah, et quelque chose en dessous. Le minerai un peu différent. Ah non, d'accord, c'est un trou au centre. Là, il y a quelque chose. Oh! Vous avez vu? La chance du silver or. Donc je vais pouvoir me faire ma nouvelle hache. Hop là. Donc je vais remonter à la surface juste pour pouvoir me revenir au spawn. Hop là. Hop là. Et cool. Et smelt. Je sais pas si vous avez suivi, mais du coup, comme j'annonçais au début, j'ai pile poil ce qu'il faut. Et j'aurai peut-être aussi de quoi la monter au-dessus. J'ai plus ce qu'il faut. Ah putain, j'ai plus assez de pixels. Bon, bah, je vais aller tuer du mob. Ouais, je vais tuer du mob. Et crotte. C'est dommage par contre qu'on puisse pas faire de vente. Par contre, pourquoi il y a bruit de mouche maintenant? Faudrait que j'arrive à trouver un vendeur que je puisse avoir. Je sais pas si vous suivez pour certains Hypier. Eh merde! Moi, je regardais même pas mon écran, putain.
Putain, ils ont plus. Ils filent plus de pixels. Pourquoi? C'est parce que je me suis fait une arme de chasseur que ça me file plus de pixels et que ça me donne du cuir et. Ah, c'est ça. C'est chelou ça par contre. Par contre. Par contre, c'est bizarre. Tiens, dans ta gueule. C'est ça, hein, c'est peut-être parce que j'ai une arme de chasseur, parce qu'elle s'appelle chasseur. Et du coup, elle me permet. De récupérer comme si c'était. C'est possible, je pense qu'ils ont fait ce genre de choses. Et du coup, je suis. Alors, certes, ça me fait de la bouffe et du cuir, mais. Du coup, il me faudrait une autre arme. Une autre arme. Zut, crotte et flûte. Oh. Ok. Oh et merde. Putain, j'ai fait me faire tuer par une. Pauvre bestiole quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je vais me créer une. Merde. Les yeux. Du cuir. Là. Tout ce qu'il faut. Encore ici quoi. Et mardi. On en apprend tous les jours, hein, dira-t-on. J'aurais pas cru que ça fonctionne comme ça, mais c'est plutôt cool parce que du coup. On peut se permettre quand même. Ça dépend de l'arme. Et la hunting par exemple. Alors, faudrait que je teste, hein. Faudrait que je m'en crafte une autre pour vraiment être sûr. Mais c'est vrai que j'avais trouvé un donjon la dernière fois. Je me rappelle plus où il est. Allez. Merde. Allez.
J'ai arrêté de creuser! Alors, j'avais trouvé un donjon électrique. Je voulais le faire avec ma chérie. Donc. Je vais pas le faire pour l'instant, hein. Mais j'aurais aimé au moins y retomber dessus. Putain, c'est abusé, je trouve pas un seul pixel, quoi. Ah. Ramasser du colle. Hop là, on ressort. Non mais oh, crève. Crever. Oh putain. Allez, saute. Hop. Sarasse. Ah, la barre verte, c'est la fatigue. Ah ouais. Ils ont mis la fatigue aussi en jeu. C'est cool. Bon allez. Casse-toi! Oh merde, il m'a touché. Putain, j'ai failli crever comme une grosse merde. J'étais à combien? Et il montre pas ma vie. Bon allez, j'AFK un petit peu et je reviendrai pour finir l'épisode avec une autre arme. A tout de suite. Et me revoilà. J'avais pas vu, mais j'ai obtenu le nombre de pixels qu'il fallait. Donc, en fait, j'en ai un peu rien à foutre là du coup. Hop là. Je récupère ce qu'il faut. Hop là. Hop là. Et je récupère ça. Je récupère ça aussi par le passage. Ça, je peux le déposer. La viande aussi, j'en ai pas besoin pour le moment. Hop là. Silver pickaxe. Voilà. Ah, cette fois-ci, pour la gold, il faudra 400 pickaxes. Pixels, pickaxe. Oula, 400. Hache. Faudrait que je me fasse une lanterne, mais du coup, pour la lanterne, il me faut aussi pas mal de pixels. Ah, parce que la bonne. Avec un peu de chance, il dégage aussi de la chaleur, et du coup, bah, je pourrais continuer à me balader tout en. Je sais pas si c'est. Ah non, c'est une two-hand. Ouais, je vais remonter. Et je vais regarder ce que j'ai là. Two hand, chaffline. Oh putain, j'en ai une deuxième de copper pick. Ah oui, mais c'est parce que je l'avais looté. Ouais. Du coup, j'ai pas grand chose en armes et j'ai plus d'argent pour en faire d'autres. Inventaire.
c'est pas possible de scanner ça. Et ça, on peut le scanner? Non plus. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? Non, rien de bien. Bon. Bon, bah, de toute façon, je vais m'arrêter là. Hein. Ah, si, je vais quand même aller tester ça. Je vais aller un peu plus profond. Oh putain. C'est quoi ce nombre? J'ai pas l'impression que ça va beaucoup plus vite, elle s'use peut-être beaucoup moins. Ah si, ça va quand même plus vite. Ça va quand même plus vite. On va aller à la recherche. De toute façon, je pense que je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à farmer histoire de trouver un peu des ressources. Mais c'est pas forcément utile que vous soyez avec moi. Je pense que je peux me débrouiller seul. C'est long. Ah, je tombe dans un truc que je connais. Non, on va creuser par là. Allez. J'ai eu de la chance! Comment je veux remonter vite? Bah, je vais faire ça. Oui, voilà. Fais me faire tuer! Connard. Je pourrais prendre ça aussi pour la même occasion pour me faire du bandage, je vais en avoir besoin. Putain. Oh, les enculés, ils sont puissants.
C'est par où chez moi? Ah, c'était pas par là chez moi. Bah, c'est pas grave. Il me fait des ressources. Ouais, bah, tiens. De la chance encore. Hop là. J'ai lagué. Bon, écoutez, tiens, crève. Oh putain, je suis trop mauvais. Hein. Je suis trop mauvais. Je vais galérer du coup à me faire des pixels. Il va falloir que je ressorte mon autre arme. Je vais aller tester. Ouais, non, attends, je vais vous laisser. Ça suffira. C'était plutôt une vidéo plus longue que ce que j'aurais cru, mais j'ai quand même pu faire le tour de tout ce que je voulais parler. Donc voilà, hein, sur toutes les nouveautés. Moi, je vous souhaite une bonne bah, journée, hein, comme vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de commenter et de liker. À la prochaine.